Hey, hey, hey! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Et on retrouve Azénor, relooké. J'ai passé un petit peu de temps à la relooker spécialement. Et là, elle dort dans sa chambre d'enfant. Oups! Sa chambre va changer. Sa chambre va changer ou alors, tout simplement, je vais la faire déménager dans la chambre d'à côté qui est un peu plus mûre. Ah, bon, alors il y a 15 000 photos de ses parents, hein, mais j'adore ce mur de photos. C'est vraiment trop sympa. Bon, alors, vous pouvez le voir déjà, que ça me fait des pompes. Ok, ma cocotte. Et il est quelle heure? Il est 4 h du matin, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas courir pour te vider l'esprit. Ouais, alors, est-ce que vous avez un... Voilà, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que je vais en faire de la petite Azénor, là? Elle est quand même méga canon. J'ai réussi à la... Elle donnait pas trop envie, hein, mais comme ça, mais relookée, c'est une beauté. Elle est hyper belle. Elle a vraiment la tête de Marois, mais elle est juste plus blanche, plus ronde. Et elle a des grosses lèvres, mais avec ce look, ça lui va super bien. Et après, elle mangera tout le quartier. En plus, il y a du monde pour manger. Il y a un raton laveur qui se balade, tout va bien. D'ailleurs, attends. Ouais, que t'essayes de le transformer, plus de choix, vampire, boire du plasma, une grande quantité. Allez, ma belle, tu vas commencer à plus avoir faim, donc on va pouvoir s'attaquer à ce raton laveur. C'est flippant quand même, non? Il fait flipper, mon Dieu! Ça y est, elle va partir attaquer le raton laveur. Vite, parce que le soleil se lève et il faudrait pas qu'elle se crame, hein. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Le raton laveur. Crac! Crac le raton laveur. Première gorgée de plasma pour Azénor. Parce que, oui, elle a un peu les gros cuissous quand même, hein. On va pas se le cacher. En tout cas, elle a l'air de kiffer. Ouais, hein. Qui c'était à l'intérieur? Yumiko. Eh, salut, merci, hein. Tiens, tu vas aller... courir pour te vider l'esprit et tu vas rentrer à la maison rapidement parce que sinon tu vas cramer déjà que là, t'as commencé légèrement à cramer. Faut que je fasse attention parce que... Ouais. Forcément, elle n'est pas immunisée contre le soleil pour l'instant. Ouais, allez, le soleil se lève, tu vas rentrer rapidement parce que là... Tu vas cramer, ma belle. Rentre à la maison. Dépêche. Dépêche, oui, c'est bon. C'est bon! Quel look! Regardez-moi cette beauté! Oh, elle est pas... célébrer l'anniversaire d'Aidan. Eh oui! Alors, on est samedi 6 h 30 du matin. Tu peux faire de l'exercice tant qu'à faire, tiens. Faire de l'exercice, faire des abdos. Faire de l'exercice, faire des pompes. Faire de l'exercice, des abdos. Hop, et après tu vas t'étirer évidemment pour pas avoir de courbatures. Nos chats sont toujours là en pleine forme. Lui, il s'éclate sur la musique des saisons. Regardez-moi ce petit cul. Putain, mais il a maigri ou quoi? Ils ont. Il a grave maigri là. C'est pas normal, hein? Quand j'étais dans le CAS pour la relooker, ils étaient maigrichons les deux là. Mais regardez, Marois, elle est encore plus mince qu'avant ou quoi? C'est très bizarre, c'est pas normal cette histoire. C'est la journée du jargon de pirate. Alors au lieu de préparer un gâteau, il va préparer un ragoût, notre petit Calébou. Tu vas parler, échanger des histoires de pirates. Raconter une histoire d'océan. Est-ce qu'on peut pirate avec les chats? Non. Voilà, comme ça ils vont être contents, ils vont parler pirate, complimenter la fière allure. Oh là là, mais dis donc, il y a eu un sacré bug encore, mais tout va bien. Arrgh! Arrgh! Qu'est-ce qu'ils ont les chats? Ça va encore pas? Ah, il y a encore un problème de litière. Oh, il pleut sa mère dehors. Super. Tiens, si t'as rien à faire, tu pourras vider la litière aussi, ça pourrait être pas mal. Marouate, tu finis tes toiles, on va les encadrer, on va les mettre dans l'inventaire. Oh, toi, c'est pas terrible, hein. Ah, tu m'as encore fait les chiens, super. Après, on va aller à la boutique vite fait. On va faire grandir aussi le petit Aidan. Oh putain, mais...
Ah, c'est les trompes d'eau, quoi. Bonjour, hein. Ah, bah, on est reparti avec les orages. Ça faisait longtemps. Ah, météo mystérieuse, donc ça veut tout dire, hein. On va tout avoir encore une fois. Ouh, c'est crade. Azénor, tu peux être une amour. Briquer le pont. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Toi, tu vas mettre des bougies. Des bougeattes. Vas-y. Hop, bougie d'anniversaire. Aidan, il va se réveiller. Oh là là, les trompes d'eau. Et dès que Marwa, là-bas, elle a fini. C'est parfait. Tu vas nous encadrer ta toile et aussi la mettre dans l'inventaire. Elle y a combien? Oui, bon, c'est pas grave. Ok, on a reçu le courrier. Aidan, Chou, mais non, tu vas pas pleurer. Marwa, tu vas aider Aidan à souffler les bougies. Voilà. Hop. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ok, on a reçu des trucs sur le toit. D'accord. Écoutez, je ne savais pas. J'avais pas vu qu'on s'était pris deux éclairs sur le toit. Il a vraiment fallu que je regarde comme ça. Allez, c'est parti! Oui! Aidan! Happy birthday, babes! Oh, je vais avoir sa bouille. Alors, il avait deux en motrice. Donc, on va le faire faculté motrice, tout simplement. Et entrée. Je me souviens plus ce qu'on a donné pour la demoiselle, là, pour Azenor. Mais Aidan. Prévisible. Oh, remarquez, ça pourrait être drôle, hein. Il sera végétarien, mais c'est normal. En même temps, tu vas être. Oui, bah allez, imprévisible pour Aidan. Et il a aussi les oreilles pointues. C'est vrai que j'avais zappé cette histoire. Oh là, je suis sûre, lui, il va ressembler à son père. Oh, viens voir ta bouille, toi. Mais arrête d'être triste. Assis-toi. Alors, fais-moi voir cette bouille d'enfant. Il a un côté à Marois quand même, hein. Le nez, je pense qu'il a le nez de son daron. Ouais, il n'a pas le nez crochu de Marois. Voilà, bah, c'est cool ça, on va pouvoir les relooker, tout ça. Regarder ce qu'il en est. Tandis que notre grande fille, elle, est ado. Se plaint des heures, se plaint de l'inconstante fortune. Oh, oui, non, bah oui, bah, maintenant je vais les confondre toutes les deux, parce qu'elles se ressemblent tellement que. C'est un peu flippant. Ça va aller, oui, c'est vrai, dans les bras, tout ça. Hein? Par contre, t'as un look, mon petit, il va falloir qu'on revoie tout ça. Hein? C'est pas possible. Oh, le câlin, mais c'est mignon. Oh, non, j'allais dire la relation va mieux, mais non, pas du tout, en fait. Ouais. Oh, ma belle. Vas-y, rentre. Courir vampiriquement aussi. On va l'amener, Caleb. Et tu vas venir ici aussi rapidement. Que possible! Attendez, on a combien en boutique? On a 22 000 de fonds. Alors, on va faire une petite chose toute simple, toute mignonne. Oh, c'est qu'on va agrandir. Ok! Voilà, j'ai retouché vite fait un peu la boutique. Je l'ai un peu agrandi. Donc en bas, j'ai rajouté des arbres. J'ai ajouté un arbre sous le. Sous le. Sous, un pan sous l'arbre. Un truc à pipi, parce que les clients, quand ils ont envie de pisser, en haut, j'ai pas changé. Ou alors, je virais le lit bambin, bien sûr. Et j'ai rajouté, du coup, des petites choses comme ici. Ok, alors, on va tout de suite se permettre de faire. Tu vas admirer ton nouveau bien. Tu vas t'occuper des plantes. Non, c'est bon. Et tu vas créer une composition marguerite. Rose mouchetée. Allez, go. Tu vas t'entraîner, toi. Avant qu'on ouvre la boutique, tu vas mettre tes œuvres que tu viens de faire. Ouais. Voilà. On va en mettre une là. Hop. Définir comme étant à vendre. Mais on est plutôt pas mal. Faire comme étant à vendre et définir comme étant à vendre. Normalement, on est bien. On peut ouvrir la boutique. Hop! Voilà. Elle nettoie en plus. On se croirait dans la. Comme si c'était une vraie boutique, quoi. Hein? On est bien. Regardez, les clients, ils vont commencer à venir. Oh, il a pris un sacré coup de vieux, la Brent. Eh oui.
Le pauvre. Voilà, on va commencer à voir complémenter la tenue. Ah bah comme ça, hein, boulot, ouais. Est-ce qu'on va réussir à conclure une vente aujourd'hui? Ah! Il arrêtait de pleuvoir, il fait déjà très très beau. C'est normal, c'est les Sims. C'est sympa. Mais quelle beauté tu nous as fait là encore, Calebout! Voilà, pouf! Définir comme étant à vendre. Il m'a fait des belles œuvres hein, quand même, hein, on va pas se plaindre. Et arrête avec ce robinet, tu vas m'en refaire une autre avec du dahlia. Allez, célébration royale, allons-y. On arrive quand même déjà à 1000 points, quoi. Je vais regarder ce qu'on pourrait acheter. Acheteur curieux. Les clients passeront plus de temps à parcourir les objets à vendre dans le magasin avant de... D'accord. On va prendre paiement plus rapide. Prendre le panneau sensationnel. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On avance, quoi. Waouh, elles sont super belles, ces fleurs. Hé hey. Oh, waouh. Alors, attends que tu t'en ailles. Ah, il y a quel choix, quelle qualité? Jaune et blanc, ça me paraît pas mal, ça, pour aller avec. Oh, c'est super beau, Calebout. C'est toujours médiocre, hein, par contre. Je sais pas pourquoi, mais il me fait que des trucs médiocres. Et tu vas le définir comme étant à vendre. On a quelqu'un qui achète. Ah, elle. Pendant que Marwa fait la vente, voilà, tu vas pouvoir encaisser l'argent du client. Encaissé. Agent. Et du. Et client. Encaissé. Agent du client. Et encore un autre. Oui, 1391. Merci. Et 1577. Merci. C'est que des vieux, moi. Les clients, c'est que des vieux. Voilà, c'est comme ça. On a tous des vieux croutons qui veulent acheter des bouquets. Quel choix, quelle qualité! Brent, merci. Viens, encaisser l'argent du client. Voilà, on va y arriver. Il a choisi la toile bizarre. À 530. Ah, c'est Caleb qui l'a faite! C'est même pas Marwatt. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Ah non, c'est pas celui-là. Ah là, il a pris l'autre. 1330. Mais ouais, cool. Putain, on aura fait notre pognon du jour, hein. On est bien, là. Quel magnifique panneau lumineux d'un gros Simflouz. Bon, il était plus petit, mais j'ai décidé de le faire en plus gros. Comme ça, on le voit de loin. Il a porté... Oh, ben, ça y est, il neige. Mais oui, c'est logique, voyons, hein. La neige. Météo mystérieuse, tout ça, quoi. Bon, allez. Encore deux, trois clients et on aura fait notre journée. Quel choix! Quelle qualité! Nous avons un nouveau client. Eh bien, encaisser l'argent. L'encaisser l'argent des clients. Encaisser l'argent. Encaisser l'argent. Encaisser l'argent du client. Wouh! Alors, soit vous avez choisi. Oui. Ah, alors. Donc, la toile moyenne. Est-ce que vous pouvez l'emporter tout de suite? Oui, d'accord. Ok. Papier cadeau ou pas papier cadeau? Oh, magnifique! Ah, franchement, une toile comme ça, 255 Simflouz, ça valait le coup, hein, vraiment. Magnifique. Oui, choix qualité! Les choix, la qualité! Ah, ma pomme va partir. C'est monsieur qui l'a acheté. Ah, c'est bien, hein, dis donc. On a fait de la thune aujourd'hui, hein? Ah ouais! On est bien, on est bien. 605 Simflouz. Merci monsieur. Tiens, tu peux enlever le panal. On est bien. Pour l'instant, on vend plus de toiles que de bouquets, hein. Faut pas se leurrer. Quel choix, quelle qualité! Ben voilà! Encore une toile qui s'en va. Eh ben. C'est parfait tout ça. Peut-être que Brent voudra. Ben lui, il flâne, hein, par contre. Il voudra peut-être acheter un bouquet, un de ces quatre, pour son mari. Voilà, la toile bizarre pour 662 Simflouz. Merci, monsieur. Vous êtes bien aimable de nous avoir donné votre tunasse. Bon, ils sont tous en train de regarder. Oh, elle se fait carrément dans la table. Les bouquets, mais on va fermer la boutique là. Je pense qu'on a gagné 5 820 Simflouz et c'est plutôt pas mal. Ah, la nuit est tombée et on va pouvoir envoyer Azenor chasser. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas attaqué des Sims. Tiens, toi.
Aurélie Chevalier, nous, Oust Gredin. Bien le bonjour, moussaillon. Vas-y. Tu vas. Et puis tu vas la bouffer, hein, on s'en fout, nous, hein, hop là. Eh, dépêche. Azénor. Azénor. On s'en fout de la télé. Tac, tac, tac. Mange-la. Voilà. Et hop. Ah ouais, c'en est bien là. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux qu'on te fasse des trucs aussi, là, boire du plasma? Hop, obligé. Oh, on s'en fout, on va manger tout le monde. Tous ceux qui nous cherchent des noises, on va les manger. Et calme-toi, Zénor, là, tu vas la tuer. Peut-être que je devrais prendre le mode pour tuer. Ça pourrait être rigolo. Ah, ça y est. Nosferatu! Voilà, tu nous cherchais des noises, on te mange. Ça, elle gagne des points à Zenor. Elle va devenir une vampire mineure. Eh oui, déjà. Mais il est habillé en scout. Mais je l'ai pas recruté en scout, moi. Oui. Non, mais je sais pas, c'est bizarre quand même. Ça fait peur un peu. Un petit peu de câlin. Hein? Oh, tu n'as. Chouquette, va. Trop mignonne. Bon, Marois fait ses toiles. Et Aiden, il fait sa life. Il va aller faire des câlins, un petit truc, petit machin. Ok, bah c'est super. Moi, je vais sûrement vous laisser là pour cet épisode. Et pour le prochain, je pense que j'aurai inversé les chambres et relooké un peu en fonction de l'enfant. Puisque, bien sûr, Aiden va pas rester dans une chambre rose. Et Azenor prendra cette chambre ici. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play de Marois ou d'autres choses. Allez, salut!